Wach maman pep haïtien Moïse Jean-Charles qui pensait li te capable barre Guy Philippe, eh bien ça Moïse Jean-Charles te paré pour Guy Philippe là, eh bien ça pas passé. Eh bien nous porter pour la voix de l'Amérique jodi à la côté ou pral écouter ensemble avec nous la voix de l'Amérique. Eh bien rale ti chez ou monter volume. Nous pral ba au détail sou pou te abonner avec channel là ou gen intérêt pour abonner. Le fin abonner, mettez un like sous vidéo. Eh bien dans un petit temps nous pral écouter ensemble la voix de l'Amérique. Avant ça et nous même peuple haïtien Moïse Jean-Charles qui trahit Guy Philippe là, eh bien c'est tête li mette nan show parce que peuple haïtien te fait Moïse Jean-Charles confiance. Eh bien, li trahi confiance peuple là, eh bien Moïse Jean-Charles nan gros courri parce que tout fanatique Moïse Jean-Charles yo viré do bali, c'est Guy Philippe yo rejoignent parce que yo wè ke Moïse Jean-Charles si reste avec CARICOM. Eh bien, raison ça là que peuple là lui-même yo viré do bay Moïse Jean-Charles. Eh bien, tout peuple haïtien pas prend Moïse Jean-Charles pour moun sérieux encore pour façon que li trahi Guy Philippe là. Et Guy Philippe comprend tout bagay. Eh bien, malgré Moïse Jean-Charles faire connecter ses représentants la Russie qui était mandé pour rejoindre CARICOM, eh bien, et mes peuple pas prendre ça. Et nous déjà ouais que c'est parole Moïse Jean-Charles bail une façon pour peuple capable pardonner et peuple a déjà comprendre jouette là. Et bien on a écouté ensemble la voix de l'Amérique. Rale ti chez ou monter volume princesse pays de Galles, et ben li fait cancer et l'autre point cap dominer actualité. Il y a plusieurs opérations qui font dégâts mortels dans les gangs armés qui ont même continué à semer la terre dans la population civile, surtout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, suspense a continué sous composition officielle avec l'installation du collège présidentiel transition. Et puis dans l'international, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté une résolution États-Unis pour un cessez-le-feu dans la guerre israélo-hamas pendant que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvait dans la région Moyen-Orient. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Donc, gros nouvelle là, c'est attaque ça qui arrive dans tout près ville Moscou, dans le pays la Russie. Côté nèg armé entré dans un concert, eh bien, yo simé coup, yo ouvert coup d'zam, eh bien, y'a 40 moun qui perdu la vie, et plus passé yon centaine et blessé, et gagné déjà quelques réactions qui sortit à travers le monde, notamment gagné la Maison Blanche qui réagit, n'envoie et que conseiller sécurité nationale la Maison Blanche parle de John Kirby qui dit que le pourquoi qu'a parlé sous détail attaque là même image li wayo yo tout simplement terrible elle était dû pour li capable garder yo. Donc c'est dans Crocus City Hall que bagay ça rivé, donc 40 moun pour pipiti perdu la vie yo, et au moins 100 l'autre blessés dans attaque ça qui fait dans ville Moscou, dans le pays la Russie, et média russe dit que c'est une attaque qui est mortelle qui arrivait dans le jour qui passé là, qui frappait le pays la Russie. N'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, et bien, il y a la police nationale là qui mène plusieurs opérations qui font dégâts mortels parmi gangs qui continuent eux-mêmes, y a psymé l'intérêt dans le pays d'Haïti, plus précisément dans la capitale là. Nous allons rejoindre le correspondant, nous, Renan Toussaint. Agents différents, unités spécialisées en de la police nationale d'Haïti menaient plusieurs opérations cérébroulantes contre bandes armées dans le dernier jour sa yo, zone Croix-de-Bouquet, Port-au-Prince, Pétionville et Delma, côté plusieurs présumés assassins perdus la vie yo, parmi yo, Ernst Julien alias Tigreg, présumé chef gang Delma 95 là, qui fait claguer dans la prison pénitentiaire nationale, les nègres de Cassie prison, li mourir dans Boukataï coup de balle avec la police, avec plusieurs autres blessés. Force l'audio fait plusieurs arrestations, accès et tout, plusieurs armes à feu. Unité spécialisée ou débloqué tout, plusieurs axes routiers comme stratégie pour récupérer certains espaces nec améo occupés. Objectif là, c'est faciliter libre circulation citoyen paisible, zone Delma 6 et Delma 8. Autorité policière annoncée pas trop longtemps,
y a gagné pour présenter un bilan partiel par rapport à l'opération policière, que ce soit en bas la ville, tout près palais national, pendant que l'institution continue à solliciter bourrade population haïtienne dans le cadre de lutte contre le grand banditisme sous territoire national. Où est-ce que tout ça? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et bien après opération ça que la police menait, eh bien correspondant nous dans Port-au-Prince, Massado Villemédi, il constatait que il y a plusieurs cadavres que moun capable constater dans quelques quartiers dans Pétionville et Massado Villemédi. Dans une vidéo, on fait dans quelques rues communes Pétionville à Rodelma, plus précisément Delma 60 jusqu'à 95, nous comptons pour petit 10 cadavres qui passaient en bas du fait. Quelques citoyens et citoyennes qui ne voulaient pas parler micro avec devant caméra nous, dit moun k ap boule yo fait partie gang qui gen en tête li Tigre qui tombe tout nan boukante coup de balle avec la police hier jeudi 22 mars 2024 là. Quelques machin qui te parlé avec nous, mandé la police continuer prendre responsabilité pour la vie capable retourner complètement dans Pétionville. Oui, je dis à l'autre Pétionville nous voulez. Je dis à l'autre Pétionville, je dis à l'autre Pétionville, je dis à l'autre Pétionville, continuer le travail. Je demande les deux fois les gangs, mais ça va les dire travail là pour finir. Là, tu as fini. Ça, on t'y commence. Ça, on t'y commence, ma clave. Pourquoi on est là? Parce que nous, nous, on fait, nous, on ne va pas faire, on ne va pas dire que c'est guidé. La pose a fait effort. Devant la paix qui a soufflé sous Pétionville, la mairie déjà reprend le travail pour nettoyer la commune. Et nettoyage n'a pas un vent d'espoir parce que la commune Pétionville, c'est une commune de référence liée. Et malgré tout ça qui est dans le pays, nous connaissons Pétionville qui est nettement différent. C'est ça que, après tout ça qui est, nous-mêmes qui sommes dans le service voirie, mairie Pétionville, nous, il est important et même hyper important. Malgré insécurité, malgré problème, pour nous faire travail, nous qui c'est nettoyer et propre la commune. La police est là pour protéger sa vie, garantir la sécurité dans la commune. Nous-mêmes, ça, nous-mêmes, nous là pour faire, c'est faire travail par nous. On a rappelé, dans moins d'une semaine, c'est plus passé 30 cadavres nous arrivés comptés dans la commune Pétionville. Toutefois, autorité au poko prononcé yo, sous circonstances, la mamoun si la yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Villemé, pour VOA Creole. Merci Massado Villemé. Pendant ce temps suspense là a continué sous composition officielle avec installation collège présidentiel transition. Nous gain sous place dans Port-au-Prince Yves Manuel. 7 membres titulaires avec 2 observateurs, yo même yo désigné pour composer conseil présidentiel là dans pays d'Haïti, une entité qui chargée pour superviser transition politique là dans pays. Conseil ça bien pour jouer un rôle important dans nomination un nouveau premier ministre avec préparation prochaine élection présidentielle yo. Formation conseil présidentiel là achevée hier jeudi après quelques ajustements qui fait la donne de dernière minute. Même qui dans conseil présidentiel transition, Emmanuel Vettilaire, c'est ancien juge instruction tribunal première instance dans cap haïtien, li nommé par Petite Dessaline, c'est actuellement avocat et directeur administratif financier dans université publique Nord dans cap haïtien. Dominique Dupuis, c'est ambassadeur d'Haïti auprès UNESCO et le représentant coalition Red à compromis historique, li reconnu pour engagement li et dynamisme li dans UNESCO. Lui, Gérald Gilles, c'est un militant politique et ancien sénateur qui nommé par accord 21 décembre. Lui, c'est également médecin et le fondé mouvement politique Nouvelle Orientation Unifiée pour libérer Haïti, Moula. Fritz Alphonse Jean, désigné par accord Montana, c'est un économiste et lui gagne en pile expérience dans le secteur public tant que privé, sans compter institutions internationales. Leslie Voltaire, c'est architecte urbaniste, ancien ministre, l'innommé par parti famille Lavalas, li gen expertise de près de 40 ans dans secteur public et privé. Edgar Leblanc fils, ancien sénateur et président Sénat, li gen une longue carrière politique et li actif dans plusieurs mouvements politiques. Laurent Saint-Cyr, c'est président Chambre Commerce pays d'Haïti, c'est secteur privé qui nommé li récemment participé dans HCT1 avec Premier ministre Ariel Henry. Pour observateur yo, c'est Frinel Joseph, pasteur et homme d'affaires, li représente société civile et diaspora, li gon spécialité dans crise humanitaire et li se conseiller matrimonial. Enfin, gen René Jean Jumeau, qui c'est un spécialiste dans affaires énergie, c'est un ancien ministre qui désigné par rassemblement pour une nouvelle entente nationale et souveraine, li gon expertise de plus passer 30 années dans le domaine énergie.
membres ak observateurs sa yo ap gagné un rôle important pour jouer dans transition politique là dans pays d'Haïti, ça qui capable contribuer dans instabilité et préparer prochaine élection générale dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Donc tant qu'on capable comprendre 9 noms qui t'a soi-disant fait partie de conseil présidentiel transition yo, et ben yo prend toute la presse sans que pour qu'on gagne une note officielle qui sorti ou bien beaucoup de CARICOM ou bien beaucoup premier ministre et haïtien Ariel Henry. Pendant ce temps, vu situation dans pays d'Haïti, gan pile organisation internationale avec pays qui yo même a retiré ou bien retiré ressortissant yo ou bien employé yo dans pays d'Haïti, donc un phénomène évacuation cap continuer Valérie Saint-Louis. Vidéo ak image sa yo te publié lundi 18 mars passé a, image yo te montré membre Congrès américain dans l'État Floride là, député Corey Mills, qui représente 7e district Floride là, en action k'ap aide évacuer citoyens américains yo sorti dans un côté qui pas trop fini identifié en Haïti. Député Mills te partagé vidéo a sous compte X li a. Li te dit que 13 américains qui étaient évacués et que équipe li a été sauvé et évacué avec succès plus citoyens américains passé président Biden ak toute administration li a. D'après appris que premier ministre haïtien Ariel Henry, bloqué dans Porto Rico, t'es annoncé démission li une semaine de ça, en attendant un remplacement temporaire, mais conseil présidentiel là qui t'a doué choisi un autre premier ministre pour co-finaliser. Pendant ce temps, capital pays a été paralysé par nouveau attaque gang yo dans fin semaine passée, avec 10 feux dans prison principale là, côté que prisonniers ont été sauvés quelques jours avant, et puis résidence privée chef police nationale là, que bandits ont été attaqués, et puis mettez 10 feux la donne. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Donc crise pays d'Haïti a gagné répercussion sur l'autre côté, notamment gagné République Dominicaine, autorité dans pays ça, ben yo prend des mesures au niveau frontière que yo partagé avec pays d'Haïti, et c'est comme ça envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe est trouvé en République Dominicaine côté que li avec communauté haïtienne et puis la regarder tout ça qui a passé sous frontière nous gagne depuis dans commencement semaine Jean-Robert Philippe ou dans communauté haïtienne en République Dominicaine et qui sont qu'a dit nous parlez de bien ce que tu trouvé qu'on y a là. Dans Santo Domingo, particulièrement dans le parc Enrique, qui est même dans la capitale Santo Domingo, côté que pratiquement on a mis fin à tourner ça que nous avons fait en République Dominicaine pour constater la situation. Côté nous là, c'est un quartier qui est pile haïtien là-dedans, et c'est haïtien qui fait. En République Dominicaine, il y a haïtien qui immigré vient là. Et il y a nous rencontrer tout qui dit nous, il était ici là, il a pas gain document légal, il est arrêté au voyage en Haïti et là-dedans et qui retourné après que les autorités dominicaines ont déporté du territoire dominicain parce que pas gain document légal. Et Jean-Robert Philippe, nous connaît que République Dominicaine tourne un point d'évacuation. Et non seulement évacuation, mais de déportation tout. Est-ce qu'on peut parler nous de deux phénomènes, déportation avec évacuation qu'a fait à partir de République Dominicaine? Oui, effectivement, Jacqueline, et son opération évacuation, son opération qui a commencé depuis dimanche pour Américains. Mais vu que façon que États-Unis a fait évacuation, il fait sous deux fronts. Il fait une d'abord à partir du Cap Haïtien, que vous voyez au Miami, et ils font l'autre évacuation. Il y a moins de monde qui est là-dedans, étant donné que les moyens de transport là sont très limités. Par exemple, les Américains qui évacuent en Haïti et sortent de Haïti pour aller en République Dominicaine, c'est à travers un hélicoptère que vous faites et ça est très limité. Il va tout ça commencer, mais les autorités américaines, que ce soit dans le département d'État, ils disent qu'il y a un travail pour qu'ils dans quelle mesure qu'ils évacuent plus de monde possible, plus d'Américains possible qui ont besoin pour quitter le pays d'Haïti. Mais ils posent des conditions, ils disent qu'il faut qu'on soit inscrit, il faut qu'on fasse demande dans tout le pays pour qu'ils vous retourner. Donc, les gens qui évacuent ce type d'Haïti pour aller en République Dominicaine, nous rappelons, les gens qui ont même l'air en République Dominicaine, c'est eux pour dégager, pour faire moins de transport pour aller aux États-Unis. Parce que les gens qui évacuent à partir du Cap Haïtien à travers un vol charter privé, les gens qui ont même payé pour payer le voyage, mais c'est l'air qui est arrivé aux États-Unis. Mais entre-temps,
on n'y va pas changer. C'est petit parti groupe jusqu'à présent, d'après ça que nous lit, eh bien, il y a à peu près moins que 200 citoyens américains qui déjà sont à Haïti en République dominicaine, d'après les données que l'autorité a été baillée. Mais il est vraiment là, comparé avec l'autre moyen qui est gagné, parce qu'il est très limité en termes de quantité de monde que vous pouvez évacuer en même temps. Et il n'y a pas quand même une petite quantité de voyage que vous faites par jour. Et Jean-Robert, brièvement, dis-nous, qui est la situation sous frontière et République dominicaine partagée avec Haïti en termes de déportation? Qui j'en frontière en termes de déportation? Qui j'en frontière? Qui est la situation frontière et frontière que Haïti partagée avec République dominicaine? Non? Bon, Jean-Jacques, pas rien qui change sur frontière haïtien. C'est que les Dominicains, ou les Dominicains, ou le gouvernement dominicain, à travers le service immigration, opération et déportation, ils ne partent pas. Ils continuent à faire chaque jour. Et chaque jour, il y a au moins 10 camions, bien 10 gros autobus service immigration qui ont été arrêtés pendant tout le temps que le fait arrêter, qui ont été mis de côté. Et c'est un centre qui est Aïna. Et le Monsaïo, chaque jour, il a déposé un groupe. Les gens disent que le Monsaïo, le processus qui fait pour eux, il fait empreinte, il prépare un dossier pour eux. Et là, on vient à Haïti, tout bon, l'autre dossier qui prépare pour eux. Mais la population, la continue. Alors, c'est sous deux fronts. Bien d'abord, on a déporté, contre eux, même ça, on a forcé à retourner, puis à le déposer. Et il y a tous des compatriotes qui ont même choisi de retourner en Haïti volontairement parce qu'ils disent soit parce que les documents sont finis, parce qu'ils n'ont pas gagné moyen pour renouveler les documents, hein, ou bien ils ont fait leur moyen pour aller parce qu'ils n'ont pas avoir pression que le service d'immigration a pris dessus. Et d'autant plus, Jacques, il y a plusieurs entités qui entrent en jeu. Ce n'est pas seulement le service d'immigration qui va arrêter Haïtien, qui a vu dans tout le pays à ce document légal, qui est pour l'autre agence dominicaine qui a fait le même travail à tout. Et par exemple, côté ma palabre là, qui est dans la place et parc de Kyo, eh bien, nous rencontrons avec des compatriotes qui disent que c'est chaque jour le service d'immigration qui vient de l'avenir. Donc, nous traduisons pendant eux là, il y a regardé ni à droite ni à gauche pour eux, si pas d'agir. Et service immigration qui vient pour eux, qui est dans le jeté, parce qu'il n'y a plus de famille là. Tout. Quand vous avez pas un document légal, mais qui gagne, qui tout, qui ont été déportés et qui retournent comment, par même moyen qui ont été rentrés déjà. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service créole, VOA créole, en République dominicaine. C'est dernier moment que l'a passé en République dominicaine, côté que l'a regardé pour l'ouest. Qui j'en sais par rapport à communauté haïtienne en République dominicaine avec tout et phénomène évacuation avec déportation qui a fait en République dominicaine ou sous VOA créole. On suit un programme dans langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA créole pour informer l'actualité internationale à mener nous dans la région Moyen-Orient. Côté d'abord gagné secrétaire d'État Anthony Blinken qui dans la région pour un sixième voyage pendant ce temps, Conseil Sécurité Nations Unies qui rejeté une résolution États-Unis pour un cessez-le-feu dans la guerre israélo-palestinien. Sandra Lemaire. We made progress in the last couple of weeks. Secrétaire d'État Anthony Blinken mandé Israël encore pour pas lancer invasion et commettre pour le faire dans ville Rafah dans Gaza. Blinken dit journaliste au vendredi que États-Unis partageait objectif Israël gagnant pour remporter la victoire sur Hamas, mais il dit opération terrestre là c'est pas une bonne façon pour faire. We share Israel's goal. Il dit nous partager objectif Israël gagnant pour remporter la victoire sur Hamas, qui est responsable pour massacre plus terrible juif depuis l'Holocauste. Et nous partager objectif qui m'a dit pour assurer sécurité Israël à long terme. Mais une grosse opération militaire en Rafah, ce n'est pas façon pour faire. Il risque de tuer plus civils, il risque de créer plus de désordre dans l'assistance humanitaire, il risque d'isoler Israël et plus tout partout dans le monde là, et puis mettre en danger la sécurité à long terme avec la réputation dans le monde. Là. Blinken est parlé après une rencontre avec le premier ministre Benjamin Netanyahu qui dit Israël prend engagement pour le pousser pour plus devant avec l'opération Rafah. Blinken.
Le dit-moi-dit, nous reconnaître besoin pour évacuer la population civile là dans la zone de guerre. Et bien entendu, répondre besoin humanitaire et nous travaillons sur ça. Même dit le tout que nous pas gain aucun moyen pour nous remporter la victoire sur Hamas sans nous pas entrer Rafah et puis éliminer reste bataillon yo. Et moi dit moi espérer n'a fait avec support États-Unis, mais si nous devons faire pour compte nous n'a fait. Blinken a fait sixième voyage dans le Moyen-Orient depuis la guerre Israël-Hamas la tête en main dans le mois d'octobre 2023. Puis fort voyage est concentré sous GFOR pour joindre un cessez-le-feu pour augmenter la quantité d'assistance humanitaire qui a entré dans la zone de la guerre dans Gaza. Blinken dit qu'il y a un travail qui était pour fait avant yo Antonio sous un cessez-le-feu. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Sandra, avant d'aller, nous connaissons que tu as suivi un développement là, côté que, eh ben, princesse de Galles, en parlant de futur, et reine d'Angleterre, en parlant de Kate Middleton, l'Italien cancer. Et dis-nous plus, non? I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. Future reine Angleterre, Kate, a annoncé vendredi qu'elle a un cancer et la recevoir chimiothérapie. Elle a révélé conditions li dans un message vidéo que elle était enregistré mercredi que elle était diffusé dans la Grande-Bretagne vendredi. Vidéo a metté fin dans plusieurs semaines spéculation sur réseaux sociaux sur qui côté lié à pour qui ça yo pas well depuis hospitalisation li dans mois de janvier pour une opération. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. En entier fait face avec un série de mois qui était difficile en pile. Mais équipe docteur moi yo fantastique, yo prend bon soin de moi et moi très reconnaissante. Dans le mois de janvier, moi j'ai subi une opération sérieuse dans le ventre, dans Londres. Dans l'époque là, yo t'ai ouais condition moi pas de cancer. Chirurgie s'était bien passée, mais test qui était fait après opération, joint une présence cancer. Équipe médicale moi conseillée pour subir une série de traitements préventifs, chimiothérapie et kounia moi en première phase traitement ça. Kate dit nouvelle a été choquant pour lui-même, Maril Actimunio, et lui demander public là pour bali temps, espace à respect pour vie privée li pendant la recevoir traitement pour un cancer que lui pas spécifié. Lui fait qu'on est lui bien, la pour prendre force chaque jour et la concentrer sur bagaille qui pral aider guérir. As you can imagine, this. Merci Sandra Lemaire pour dernier développement ça sur Kate Middleton. Et puis gros nouvelle là jodia c'est eh ben c'est 40 monde pour petit qui mouri dans et Moscou dans yon on paquet nèg entré dans yon côté tabte un concert n'a retourné encore. On allait qu'on y a dans pays la France, nous pral parler un petit peu de vedette dans pays d'Haïti, n'a parlé de New Look qui saccagé Zénith. Eh bien, il y a Franklin Edward James qui était sous place pour VOA Creole. New Look gagne environ 4 ans depuis qu'il n'a pas joué en France. Concert Zénith, ça a été reporté 3 fois déjà pour une raison pour une autre. Selon ça, Ali déclaré dans le micro la voix de l'Amérique. Malgré tout, Maestro Wa est très tenace. Il faut qu'il fasse concert ça quand même au Zénith, advienne que vous rate. Il y a un challenge dans ça. Nous avons annulé 4 fois. On dit tout. Il faut faire pour qu'il ne soit pas annulé comme ça. Il faut faire. Parce que nous jouons Zénith déjà. Mais il y a une différence entre participer dans le spectacle qu'a fait au Zénith et puis avec fait au Zénith. Il y a une grande différence. Parce que le roi fond Zénith, mon vini, il est déplacé pour affiche là. Juste samedi, à Tevin Rivé, toute la Pérez passe derrière. Femme dit nous, Zénith de Paris qui a fait concert à partir de 2400 moun pour arriver 6800 moun. Parce que Zénith a des capacités pour lui ouvrir et pour lui fermer tout. New Look bel et bien à plagué compa. Fanatique yo campé sous des rangs. Public là répond à l'appel. Maestro Ali La Rivière revisite yon partie d'ancien tube liyo, tant que Loving You et li frappe musique qui sous dernier album nan tout. Li devine invité Oswald et Joe Edouard Filet, sans oublier petit garçon liyan qui devine chanter avec lui sur un morceau. Li rend un hommage à
à papa li Daniel Larivière et aussi à pays d'Haïti qui selon lui-même pas mérité souffrance ça. Comment organisateur avec animateur et fanatique yo yo te considéré spectacle New Look ça. Prestation de New Look ce soir. Au top. Vraiment. Au top. Au moins oui, ça valait le coup. Eh, écoutez, nous on est là, on s'amuse, ça va, ça se passe très bien, tout le monde s'amuse, on est dans le bain. Sache que tu es ma plus grande star. Je suis très contente de venir de ce concert, c'était une surprise pour moi. Love you. Avec New Look, pour moi, c'était une évidence, hein, parce que je suis effectivement fan de compas, fan de musique et fan tout simplement des gens talentueux, et c'est le cas de Harley Larivière. Ça représentait une belle occasion pour jeunesse haïtienne, là. Montrer que gain à venir dans la musique, là, pour s'acter avant, montrer nouvelle jeunesse que y a une ouverture, il y a une place autour. Je pense que c'est une fierté pour tout haïtien. Le logo jazz qui vient représenter nous dans la scène de Paris. Vraiment content parce que son artiste m'a remis en pile et qui est depuis une petite. Moi, j'ai gagné 23 ans aux États-Unis. Pour occasion, New Look, je suis obligé de venir visiter Paris. New Look est arrivé quand même à concrétiser et faire ça pour le faire aujourd'hui, Zénith de Paris. Et c'est ça que New Look a gagné et comme un défi. Et pratiquement, New Look est arrivé à réaliser ça pour le faire. Jean-Claude de la compagnie, fanatique et promoteur, ils semblent satisfaits de concert ça. New Look aux Zénith de Paris. J'aime Franklin-Édouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole. Et n'a prêté. Nous déraper parce que nous avons dit avec Zem Eternout nous, ça qui a passé là en pays, ça qui a dessiné là en pays pour nous-mêmes, qui en Haïti, qui est dans la diaspora, et comme Haïtien, l'imande que pour nous-mêmes comme journalistes, l'imande pour que nous-mêmes qui sommes directeurs d'opinion, pour que nous aider les Haïtiens à comprendre très bien, ça qui a développé là, ça qui a déroulé là, encore, est-ce que Gessan Rele intérêt peuple haïtien la donne? M'a regardé pour moi que gagne un texte qui est déjà public. Côté que m'a ta apprendre que yon franche dans la société civile là, t'a déjà choisi Emmanuel Ménard, président parti l'ouverturienne, si m'a trompé. Comme premier ministre pays. Comme si, pas comme même gen conseil qui pa qui ko ka installé non, mais déjà gen un groupe qui est choisi, mais qui est-ce qui pou vin premier ministre pays? Est-ce qu'on comprend l'aime dit que pas gen rien de pays qui a réglé là? Pas gen rien de intérêt masse défavorisé qui a réglé là? Mais c'est plutôt affaire ticlanique, tizame, tiboubou, tichouchou qui a réglé. Mais cette histoire de primer d'abord intérêt, masse défavorisé à Pagayel. Pagayel. Jusqu'à jeudi, qui était 21 mars, là, tout cas 7h30 à soi selon métronome. Car il compte que j'aime soumettre vos noms que les mêmes litariens pour le t'avouer par PM démissionnaire, qui c'est Ariel Henry, pour que. Jean que ça t'a dit, hein? Pour publier le journal officiel PIA Le Moniteur, et puis pour que l'I capable à le permettre que conseil présidentiel ça, pour t'arriver installé dans tête pays. Qui donc, je dis là, ça que m'le ken kopren, qui est un jouet kap joué, que en CARICOM, et acteur politique en Haïti, soi-disant, moi, mais de rele soi-disant. Moi, reme rele yo soi-disant. Parce que moun sa yo, yo pa ge aucun intérêt en Haïti. Moun sa yo intérêt yo, c'est garder comment ke yo capable faire 2-3 000 piastres. C'est garder comment ke yo capable et. Font 2-3 000 dollars, c'est garder comment qu'ils ont bénéficié un visa, soit États-Unis, Canada ou bien la France, c'est garder comment qu'ils ont retiré petit, yo madame, yo petit boubou, yo petit famille, yo petit ami, yo en Haïti dans l'enfer là, voyez à l'étranger, et puis yo même en soi, yo rete à piger peuple haïtien, yo rete à soucier peuple haïtien. Alors que au fond, dans la réalité, il n'y a pas rien de pays à gérer.
Parce qu'il y a un de pays à gérer. Parce que, regardez bien, tout ça bien. Le gars de majorité moun. Ok? Majorité moun qui a cité là, qui a choisi là, qui a fait partie de ce bail carré comme ça, conseil présidentiel transition carré comme ça. Le gars de yo, ou dit que palmarès, qui s'allie? Palmarès, moun sa yo, qui s'allie exactement? On garde très clair. On garde très clair. Palmarès, yo parle bagay encore, non, ça met en out. Palmarès, yo c'est des autres crasés brisés, oui. Palmarès, yo c'est violence que lié, oui. Palmarès, yo c'est crier à bas, crier vive, vle pas vle fol aller, s'il pas vle aller dans mouy ou. Palmarès, yo c'est arranger, comploter pour tuer président. Palmarès, yo c'est tourner comme choule, comme rester avec oligarque corrompu, oui. Palmarès, yo c'est servir comme timoun. Communauté internationale, là, oui. Au détriment du peuple haïtien, oui. De la grande majorité, oui. C'est ça qui palmarès, yo. C'est ça qui palmarès, moun sa yo. Et je dis à Dim qui s'en comprennent. Là que ouais c'est même moun sa yo que CARICOM que oligarque corrompu la communauté internationale et politiciens traditionnels sa yo politiciens konze sa yo politiciens écrasé pays sa yo politiciens déstabilisateur sa yo c'est yo même que yo vle pote ba nou nan boule figi nou la encore. Yo vle pote remet choual saba nou an de payan. Gade bien pou e, nan moun sa yo, ki presque fait partie, ke so ki pral fait partie, gade bien, ki pral fait partie, ke so kari comme ça, conseil ça, gade bien pou e, se yo même pendant toute réunion, ki te chita pa la a yelan rue, se parce que yo même oui. Yo te nan akko 11 septembre avec a yelan rue, accord 11 septembre pas respecté l'écrasé yo vinn dans accord 21 décembre 2022 et yo té déjà apparé quoi là pour yo té vinn faire un troisième accord malheureusement que troisième accord ça va arriver fait OK troisième accord ça pas arriver fait qui fait que je dis hein ou ça l'a dit tout. Ou sans les garder pour dire que nous avons ensemble de bluffeurs, nous avons ensemble de raquettes qui je dis, hein, qui veulent faire tête passer pour bon monde, qui veulent montrer que y a vinn défendre pays, y a vinn défendre cause pays, alors que vous connaissez pas ça vinn régler vraiment. Alors que vous connaissez pas ça vinn défendre vraiment. Il y a vinn défendre cyclique yo, il y a vinn défendre parti politique yo, il y a vinn défendre chapelle yo. Je dis hein que CARICOM boire remet choual ça. Que peuple haïtien fait CARICOM international boire remet choual ça. Parce que c'est même moun sa yo, c'est même esprit sa yo, en pile nan yo, c'est yo qui mette nan sa nye la. C'est yo qui fait nan vivre sa nan vivre la. C'est yo qui fait nan endurer sa nan endurer la peuple haïtien. Ki donc si jo di an la, nous accepter. Si je dis en là, nous d'accord pour que CARICOM continue à décider pour nous, pour que nous d'accord ou ensemble de politiciens, radocalé, avant c'était yo, kounya c'est yo, et yo vle, même après c'est toujours yo, même encore.
C'est comme quoi Haïtien, c'est pour eux seulement le maman. C'est comme quoi c'est eux-mêmes seulement que c'est petit Haïtien. Ma prête gardée pour moi. Ma prête suivre pour moi. Oui. Rete gade pour moi. Rete suivre pour moi. Est-ce que Haïti c'est pour seulement lié? Est-ce que nous-mêmes moun nan quartier défavorisé yo? Est-ce que nous-mêmes nous pas haïtien tout? Est-ce que Haïti ça pas pour nous tout lui-même? Est-ce que c'est pour seulement